Ça fait maintenant quelques jours que je garde toutes les nouvelles boîtes de Stumble Guys. Et dans cette vidéo, on va en ouvrir énormément pour savoir ce que je vais pouvoir débloquer. Faut savoir qu'il existe différentes boîtes. La boîte normale, la grande boîte, la méga boîte, l'ultra boîte. Et pour finir, les boîtes légendaires qui sont méga rares. Là déjà dans le Stumble Pass, on peut voir que j'ai les premières boîtes à récupérer. Alors faut savoir que ça va être la première fois que je vais récupérer une de toute ma vie. Écoutez, let's go. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo. Oh là là, let's go. Donc là, le décor, c'est vraiment pas du tout le même. C'est trop stylé. Là du coup, regardez, il y a écrit numéro 2. Donc on devrait avoir deux objets. Allez, c'est parti. Let's go, opening. Ok, on a des gemmes. Et ensuite, des jetons Stumble. Ok, écoutez, c'est tout. Ça, je pense que c'était une boîte normale parce qu'il n'y a pas eu de skin. Mais normalement, plus tard dans la vidéo, on va ouvrir des méga boîtes de malades. Et on devrait avoir des skins de ouf. Ok, là, j'ai encore une autre boîte. Mais celle-là, attendez, mais c'est quoi cette boîte? Franchement, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Let's go. Et du coup, dedans, j'avais que des gemmes. Mais c'est abusé. Déjà, ça m'a l'air d'être une meilleure boîte, celle-là. Et là, regardez, je peux avoir des skins dedans. Mais ouais, je m'attendais. Mais quoi? Mais non, on peut avoir des skins légendaires dedans. Mais non. C'est parti, j'aimerais trop pouvoir débloquer un skin, ça serait incroyable. Ok, des gemmes et ensuite... Ah non, j'ai pas de chance. Encore des jetons Stumble. Allez, c'est reparti. Là, cette fois-ci, il y a deux boîtes d'un coup. Écoutez, c'est parti. Donc là, jetons Stumble et... Oh, mais non, nouveau skin, Italy Troll. Let's go, les gars. Eh, par contre, ça fait trop plaisir. Parce que, exemple, ce skin, même s'il est que rare, de base, c'était des skins exclusifs pour la Coupe du Monde. Et là, j'ai pu le débloquer. Ça, ça fait trop plaisir. Let's go. Et ensuite, on a la dernière boîte. Attention, la petite skin. Oh non, jetons Stumble. Dommage. Allez, let's go. Encore une fois une boîte. Là, on a deux objets dedans. Allez, s'il vous plaît, dites-moi que c'est des skins. Et aïe aïe aïe, encore des jetons Stumble. Je commence à avoir trop de jetons là. Attention. Oh mais non, let's go. Le chiffre 3 les gars, incroyable. Oh. Ok, là je peux avoir une Stumble dinguerie dedans. C'est parti. Du coup, des gemmes, des jetons. Et là, normalement, je devrais avoir un tout nouveau skin. Let's go, 3, 2, 1, et oh, let's go, le skin USA astronaute, et en plus, encore une fois, c'est un skin que j'avais pas. Allez, c'est reparti, récupérer, et aïe, 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 le chiffre 2, bon, je crois que quand on a le chiffre 2, on n'a jamais de skin, c'est plutôt dommage. Et là, oh les gars, regardez la boîte de malade. Ça, je pense que c'est vraiment une box de malade. Quoi? Regardez, on peut débloquer des skins spéciales. Oh, mais non. Oh, par contre, c'est incroyable. Mais regardez tout ça. Oh là 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 là. Allez, c'est parti, vous savez quoi? On récupère directement. Et là, oh non, le chiffre 2. Imaginez, je débloque uniquement des gemmes et des jetons. Je pense que j'aurai trop le seum. Oh non, me dites pas que c'est des jetons. Me dites pas que c'est des jetons. Non, mais non. Et quel dommage. Bon, écoutez, là, j'ai vraiment pas eu de chance encore. Ok, c'est parti, petite boîte. Le chiffre 2, on le connaît. Oh, mais non, nouveau skin, ok. Même si jamais on a le chiffre 2, on peut quand même débloquer des nouveaux skins. Donc là, j'ai chopé le skin Beret Flint. Ok, plutôt sympa. Hop là, nouvelle boîte. Encore une fois, le chiffre 2, des gemmes. Et ensuite, encore des jetons. Aïe, 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 c'est compliqué. Du coup, c'est bon, j'ai pris toutes les récompenses qu'il y avait dans le Stumble Pass par rapport, du coup, aux nouvelles boîtes. Et maintenant, regardez, si on va dans la boutique, on peut voir qu'il y a vraiment plein de boîtes. Ça, ça fait plaisir. On a des boîtes, on a des grandes boîtes, des méga boîtes. Et on a même une ultra boîte de trébuchement. Franchement, j'ai trop hâte de les ouvrir. On va commencer directement par la petite boîte de trébuchement. Allez, let's go. Ça coûte 20 jetons Stumble. Franchement, c'est pas du tout cher. Ça fait plaisir. Et là, let's go. La boîte est tombée. On peut voir qu'il y a uniquement le chiffre 2. Mais ça, c'est pas grave. Allez, let's go. Oh, ok. Je viens de choper des fragments pour un nouveau skin. Je savais même pas qu'on pouvait en avoir. Et ensuite, ok, encore des fragments pour avoir un autre skin. J'espère qu'à la fin de la vidéo, je pourrai au moins débloquer un de ces nouveaux skins. Et regardez, je pourrai en récupérer dans un total de 1 heure. Ça, par contre, je trouve ça super cool. Allez, maintenant, on passe à la grande boîte de trébuchement. Là, regardez, on peut choper des fragments pour avoir le skin Nitro MC Boom Mostis. Ce pseudo est trop compliqué, mais le skin m'a l'air incroyable. Allez, c'est parti, let's go, 40 jetons. Et on part directement ouvrir ça. Attention, ok, des fragments. Ensuite, encore des fragments. Allez, là, s'il vous plaît, des fragments du skin mythique. J'aimerais trop. Ok, des fragments du skin... Je crois que ce skin-là, on l'avait vu. C'est le skin Rambo. Franchement, il est plutôt stylé. J'aime beaucoup. Et là, franchement, je trouve que ça va quand même assez vite. Allez, maintenant, on ne rigole plus. Et on passe directement sur la méga boîte de trébuchement. Là, on peut choper des skins spéciales. Mais non, on peut avoir des fragments du skin Narwhal. Donc, c'est le nouveau skin. C'est un mélange
un choix entre une licorne et un dauphin. Franchement, le skin, il est incroyable. On ouvre directement et là, on espère avoir un gros chiffre. Et du coup, oh, 4. Ok, franchement, c'est pas dégueu. Let's go, on ouvre. Alors, ok, encore des fragments, c'est pas dégueu. Ok, encore du rainbow. On a bientôt le skin rainbow. Ensuite, oh, let's go, des fragments pour le skin spécial. Et là, attendez, je vais avoir quoi maintenant? Oh, let's go, des fragments pour le skin mythique. Par contre, attendez, j'en ai eu que 5 et en tout, il en faut 115. Oh, et c'est beaucoup trop compliqué là, attendez, c'est pas possible. Bon, écoutez, cette partie-là, tout est fait. Et maintenant, on va passer à l'ultra boîte de trébuchement. Et regardez, là, on peut débloquer un skin spécial qui s'appelle Vector Ipsum. Et ça, je pense que ça va être un des spéciales les plus durs à débloquer de Stumble Guys. Parce qu'on peut uniquement l'avoir dans l'ultra boîte. C'est parti, ça coûte 120 Stumble Coins. C'est parti, 3, 2, 1, let's go. On le pack et là maintenant c'est bon, c'est acheté. Et maintenant ok, le chiffre 5, je pense que c'est pas dégueu. Il faut espérer encore une fois avoir pas mal de fragments. Allez c'est parti, let's go. Oh, on commence directement avec des fragments mythiques. Ensuite ok, nouveau skin, je connaissais pas du tout ce skin, vraiment d'où il sort. Ensuite on va avoir des fragments encore une fois pour le petit skin bombe. Et ensuite ok, encore des fragments. Attendez c'est incroyable, allez là le dernier skin. Et ça va être le petit, oh let's go, le skin ultra rare, je sais pas du tout comment il s'appelle, ils mettent pas le nom, c'est assez dommage. Mais du coup on peut voir que j'ai chopé uniquement 3 fragments sur 200. Aïe aïe aïe, je sens que ça va être très long. Allez c'est reparti, donc là regardez, j'ai pu me procurer d'autres box. Là let's go, appuyez pour continuer. C'est parti, donc là il y a le chiffre numéro 2. Ok, des gemmes et ensuite on part sur, ok, encore des stumble coins. Pour l'instant la chance n'est pas encore avec moi. Ok, là on a une petite boîte, bon là autant vous dire qu'avec le chiffre numéro 1 normalement j'ai rien du tout. Et attends, ok, 5 jetons stumble. J'espère juste qu'un jour avec les jetons stumble, parce que j'en ai vraiment beaucoup, on pourra acheter les ultra packs. Franchement ça serait incroyable. Ok, et là oh, chiffre numéro 3. Ok, là je peux avoir un tout nouveau skin, ça serait incroyable. Allez c'est parti, on a des gemmes, on a des jetons. Et maintenant il faut croiser les doigts pour avoir un nouveau skin. Et oh let's go, nouveau skin podcaster Mia. Ok, ce skin, je sais pas si je l'ai déjà eu ou pas dans le passé. Mais bon, en vrai de vrai, il est pas incroyable. J'espère qu'on aura des meilleurs skins à la fin de la vidéo. Ok, là maintenant, on a double box. Regardez, en bas gauche, il y a encore une box. Là, bon, là, je pense à en avoir que des jetons. C'est pas fou. Et ensuite, maintenant, on va ici. Et là, ok, chiffre numéro 2. Attention, let's go, je l'ouvre. Des jetons. Et ensuite, oh, ok, skin ordinaire. On a eu Sailor Spinach. Ok, bon, le skin, en vrai, il est éclaté. Mais je trouve ça cool quand même de débloquer des nouveaux skins parce que c'est assez rare. Allez, c'est reparti. Chiffre numéro 2. Allez, là, je vous dis, on va les enchaîner maintenant. Let's go, des gemmes. Jetons stumble. Ok, j'ai déjà. Oh, mais non, let's go, chiffre numéro 3. Ok, ça, ça fait vraiment plaisir. Let's go, j'ouvre directement. Ok, des gemmes, des jetons stumble. Et ensuite, oh non, je viens d'avoir mon premier doublon dans les boîtes, oh j'ai trop le seum. Regardez, c'est écrit en gros en plus, doublon, mais non. Ok, chiffre numéro 2 j'ai vu. Ok, bon là autant vous dire que c'est éclaté. Allez, là maintenant on est sur une bête de boîte. Regardez, c'est vraiment je pense une boîte qui est quand même assez rare. On les ouvre pas tout le temps, mais par contre je viens d'avoir le chiffre numéro 2, alors là il faut espérer ne pas tomber sur des gemmes directement. Attention, pas de gemmes, s'il te plaît, pas de gemmes. Aïe 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 aïe, bon je pense que je vais rien avoir là normalement. Si jamais je m'y connais, je pense que je vais avoir uniquement des tokens. Et du coup c'est ça, j'ai eu uniquement des tokens. Franchement j'avoue j'ai trop le seum. Allez attention, chiffre numéro 1. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ai avec un chiffre numéro 1? Mais excusez-moi. Numéro 2, attention, des gemmes. Et ensuite encore des tokens. Oh, 50 tokens c'est pas mal quand même. Allez c'est reparti directement dans la boutique. Regardez, j'ai de nouveau les 3 boîtes. Let's go, vous savez quoi, on va ouvrir ça directement. Vraiment on ne perd pas de temps. Hop là, c'est acheté. Là, chiffre numéro 2. Oh, ok. Ah, c'est vrai que là, maintenant dans la boutique, on passe sur des fragments. Donc là, petit fragment de ce skin. Et ensuite, ok, encore des fragments de ce skin là. Ensuite, on part sur quoi? Ok, du fragment rainbow. Et ensuite, oh, mais attendez, ce skin tout à l'heure, j'avais pas eu un seul fragment. Ok, pas mal, j'aime beaucoup. On part sur la méga boîte de stumble. En plus, chiffre numéro 3, c'est pas mal. On commence directement avec, ok, du skin rainbow. Ensuite, encore du fragment pour ce skin légendaire. Et ensuite on termine sur, ok, ce skin là je sais pas comment il s'appelle encore. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez un nouvel épisode où j'ouvre encore plus de boîtes, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Objectif 2000 pouces bleus pour un autre épisode. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner avec la cloche si c'est pas encore fait. Sur ce c'était Graphix, ciao ciao.